National d'Haïti qui le même baillon l'autre version concernant ça qui arrivait hein. Et nous sommes en ligne avec ton porte-parole adjoint PNH là, Gary Desrosiers, bonjour. Bonjour Gary, bonjour tout auditeur, c'est Radio Gary. Oui, version par la police concernant l'incident hier là, c'est qui ça? Bon, oui, malheureusement, c'est un incident qui est très malheureux, qui produit au niveau de ma 42. Et côté que, il y a un jeune garçon, selon le rapport du député de Constantin, qui semble être notre début de 30 minutes, probablement 31-32. Et côté que, M. Pet, il a vécu, et suite à une base de droit, et rapidement, et la police, justement, était moins en moins, parce que la police a sécurisé des manifestations, côté que, au niveau de la direction départementale du Ouest, et suivant l'instruction au commandement, et là pour assurer la sécurité manifestants, et assurer toute sécurité, tout a décidé de manifester. Et voilà que les manifestations ont été constantes de ma hauteur pour monter vers l'Elma. Et puis, gagner justement ce qui s'est produit, pour que la police aille arrêter le monde qui est tué, qui utilise les armes, qui tue les jeunes garçons appelés Pierre Hubert. Nous avons les Hippolyte Jean Saint-Cly, qui fait en 1959. Il a gagné un permis de port d'armes qui sont revolvers de calibre 38 de Magnum et permis à la pistolet le 30 septembre 2018. Et il a posé l'arrestation. Et pour le moment, et tout hier, dans le commissariat de Delvan, c'est qu'il va répondre à question service d'investigation. Et selon, il est nécessaire à Hippolyte Fastri, et il dit qu'il y a deux jeunes garçons. Qui cassait ce mini, il a de la réforme de médaille à courir et il est arrivé lui-même, il s'est amené. Côté que malheureusement, les jeunes garçons ont fait de la ville bien bien. Ok, donc les jeunes garçons qui mouraient, l'État a tenté prendre chaîne. Citoyen ça que la police a arrêté, mais est-ce que c'est un des deux manifestations ou bien c'est dans l'espace côté manifestation t'as passé, c'est dans même dans le moment manifestation t'as passé? Alors le plus important pour dire donc le plus important c'est ce qu'on est politique, c'est le monde que la police a été affaiblie, ça. Ok. Ok, ça veut dire limiter au niveau du service d'investigation pour approfondir et probablement essayer l'autre dimension que la prend la police. Donc c'est pas policier en civil, genre information d'abséculaire qui commet des actes là. C'est faux. Ok. Voilà, Pierre Ronel, et version la police nationale d'Haïti, contrairement avec sénateur Maurice Jean-Charles, qui lui-même fait quoi que c'est un certain Hippolyte Jean-Franckly qui lui-même s'est tiré après deux jeunes garçons t'es venu pour prendre chaîne cool, et d'ailleurs dit Guéon qui allait avec médaille, hein, donc il était utilisé les abnés, et jeune garçon ça, lui-même l'est mouru hier. Delma. Alors si tout a persisté, la police lui-même a une agression pâle, l'opposition dit c'est un militant yo qui la police touillé, et seule façon pour résoudre ça et pour la vérité établie, c'est caméra de surveillance qui est dans la zone, puisque c'est en zone commerciale tout, donc tu es capable d'aider pour effectivement est-ce que c'est un militant, un monde qui t'a manifesté pacifiquement, qui perdu la ville ou bien... Et c'est un volet, parce que ça arrivait très souvent pendant la manifestation. Il y a quelqu'un qui rapportait, il y a volé téléphone, il y a volé bouche, il y a déchapillé, il y a des machines qui ont rapporté pendant où l'on a passé, donc ils ont tout passé sous eux. Bon, là, on a ça vraiment, caméra de surveillance, t'as capable d'aider. Oui, capable d'aider, et nous espérons tout que le médecin légiste après faire autopsie, cadavre, pour l'autre version, ou bien, comment ça passé, et c'est ça, on connaît docteur ça qui est toujours appelé et ben nous information qu'il est même croyant dans la question médecine légale là. Donc il dit que il espérait que la police t'ait fait appel à médecin légiste pour capable à faire autopsie cadavre jeune garçon ça, et bye toute information disponible.